Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo portant sur les spécialités en administration économique et sociale. Mes chers étudiants, il faudra savoir que l'administration économique et sociale, d'abord, c'est une filière pluridisciplinaire, mélange du droit, économie et gestion. Quand on parle droit, économie et gestion, c'est-à-dire en droit, on va voir en première année l'introduction au droit, le droit constitutionnel, l'institution judiciaire, mais aussi en économie, l'étudiant verra la macroéconomie, microéconomie, politique économique, tout ça. Et si on parle dans le domaine du social, nous allons voir la sociologie, et tout autre, en tout cas, ce sont les matières principales de la filière. On parle de l'administration économique et sociale. Donc, dès la troisième année, l'étudiant va se spécialiser, c'est-à-dire dans trois parcours. Le parcours gestion des ressources humaines, le parcours AGT, administration générale des territoires, mais aussi le parcours MPO, management des organisations. Et on va parler aujourd'hui, comment dirais-je, le parcours gestion des ressources humaines. Quand on parle de la gestion des ressources humaines, il faudra savoir qu'est-ce que la gestion des ressources humaines. Mes chers étudiants, bon, je vais d'abord commencer par définir la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, c'est ton domaine, c'est-à-dire le fait d'administrer le personnel, par exemple, dans une entreprise, dans une structure ou bien dans un projet. C'est-à-dire mobiliser le personnel, comme par exemple être un assistant des ressources humaines, un responsable des ressources humaines. Il y a aussi le poste responsable du recrutement, le responsable des systèmes d'information ressources humaines. Tout ça, c'est gérer le personnel une fois dans l'entreprise. Et comment gérer le personnel? C'est-à-dire être mobile, c'est-à-dire dans l'entreprise. D'abord, il y a ce qu'on appelle le DRH, le directeur des ressources humaines qui gère, par exemple, dans une grande entreprise, c'est le DRH qui dirige. Il y a la direction des ressources humaines par hiérarchie. Par exemple, on commence par l'assistant des ressources humaines, le responsable des ressources humaines qui gère tout, et etc., etc., jusqu'à arriver au DRH. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, si on est assistant des ressources humaines? On a, par exemple, on gère les congés, les reprises de service. Par exemple, dans une entreprise, si le personnel va partir en congé, il va demander d'abord l'autorisation. Et quand il aura cette autorisation-là, qu'il va partir en congé, mais au retour, ce salarié-là va chercher une reprise de service qui va montrer qu'il est de retour dans l'entreprise. Donc, mes chers étudiants, la gestion des ressources humaines englobe cela. En tout cas, c'est un domaine très important dans le monde professionnel. Il y a aussi le parcours administration générale des territoires, la mairie. En tout cas, c'est dans le cadre de la gestion des collectivités territoriales. Parce que bon, il faudra savoir que l'étudiant a le droit de savoir quelque chose concernant la mairie, le conseil départemental, exemple, le budget de la mairie, l'étudiant, toute personne a le droit de savoir, exemple, le budget de la mairie. Donc, cette spécialité-là, AGT, concerne dans ce domaine-là. Vous pouvez, par exemple, devenir maire à la sortie de cette licence, devenir un conseil départemental. Voilà. Il y a le parcours MPO, management des petites et moyennes organisations. Et ça,
en rapport avec la comptabilité, l'étudiant peut choisir le comptable finance, c'est-à-dire les comptes, être comptable, par exemple, dans de l'entreprise. Ça aussi, c'est super important, cette spécialité-là. Et même en master, il y a aussi poursuite d'études. Si l'étudiant veut faire des poursuites d'études en master, c'est valable aussi. Par exemple, le parcours de la GRAS, l'étudiant peut faire le management stratégique, le conseil en gestion des ressources humaines. Et dans le parcours AGT, l'étudiant peut faire le management des collectivités territoriales et du développement local. Et le parcours MPO, l'étudiant peut se spécialiser en comptabilité et finance. Voilà, ce sont ces spécialités-là qu'on a en administration économique et sociale dès la troisième année. Donc, on va parler tout de suite les déboucher en GRAS, gestion des ressources humaines. Donc, une fois validé cette licence en gestion des ressources humaines, l'étudiant peut devenir un assistant en ressources humaines, il peut devenir responsable des ressources humaines, il peut devenir responsable du système d'information des ressources humaines. En tout cas, il y a différents postes qui sont, comment dirais-je, admis à cet étudiant-là. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo portant aussi sur la filière administration économique et sociale.